Hey, c'est tout le monde, c'est Zédion, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du LPZ, et ça fait très longtemps, pour une raison très simple, c'est que, pour une raison que j'ignore, mon ordinateur que j'ai acheté, donc mon ordinateur portable, il fait très mal tourner Minecraft, il fait tourner d'autres jeux de façon extrêmement bien, mais alors Minecraft, il n'y arrive pas, et il bloque à 40 FPS et 50 FPS, et c'est pas suffisant. Donc, ce que je vais faire, en attendant de trouver une solution, c'est que je vais continuer le LPZ donc sur mon ancien ordinateur fixe que du coup j'ai ramené et je vais faire donc des switches de vidéos. Enfin, je ferai le montage vidéo sur un des deux puis je verrai. Mais en tout cas pour les vidéos sur Minecraft je serai contraint d'utiliser mon ordinateur fixe donc ce sera pas aussi facile que je pensais. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben en fait on va aller miner. Pourquoi je mets ça là moi? Alors, on va éliminer, mais on va peut-être reposer les objets avant. Donc, je vous rappelle que le but de notre LPZ, c'est de... Oh, j'ai oublié ça. Donc, le but du LPZ, ça va être justement de faire d'abord les achievements de Minecraft et après de faire ce qu'on veut. Minecraft, c'est un jeu où on fait ce qu'on veut. Donc, eh ben, on va faire ce que Minecraft veut que l'on fasse. Donc, j'avais un chat. Alors du coup ça fait très longtemps, on est en 42A, 19W42A. Ah, elle est là mon chat. Hey! Ouais, donc c'est quand même bien plus agréable sur un vrai écran. Oh, alors on a une sacrée grotte ici. Mais on en avait une autre là-bas, mais on va aller dans la sacrée grotte ici. Alors du coup ça me fait penser qu'avant, on va faire une petite ellipse, je vais aller chercher du bois. Parce que on va avoir besoin d'échelle. Quoi qu'en fait, non. Si je fais comme ça. Alors, si je fais comme ça. Ça va faire 20. Ah oui, ça va être suffisant en fait, comme ça. Hop, voilà. 6 échelles. Ah non, peut-être encore une de plus. 3 de plus, ce sera pas mal. Voilà. Allez hop, donc on récupère les petits bouboules. Et c'est parti. Donc, on va aller faire une mission. Progrès, celle-là, voilà. Hop, hop. Oh. Alors là, par contre, ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment ça va faire parce qu'il y a un peu du. Mais combien ils sont? Je crois qu'on a un spawner. Hein. Ah. battez-vous entre vous. Essayez de taper les creepers, ouais. What the fuck? Les creepers au milieu. Oh! Il a fait un disque! Trop bien! Mais, non, non, il y a vraiment trop de... J'aimerais juste qu'il tue le creeper en fait, s'il vous plaît. Alors, bon. On va changer de tactique. Ok, hop. Ah merde. C'était pas comme ça, j'avais vu les choses. Sinon, on a un générateur de squelettes, c'est obligé. Ok, cool. Alors, ce qu'on va faire. Hop, hop, hop. Ok, comme ça, hop, hop. Allez, voilà, hop, c'est bon, comme ça c'est fait. Et on n'a pas récupéré le disque. Non, j'ai fait exploser le disque. Oh non. Mais non, mais c'est pas légal. Bonjour. Non. 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 Non! Allez hop, c'est bon. Ça m'a saoulé. Bon. Et eh ben on fera ça une prochaine fois. Bon, du coup, on peut faire directement comme ça. Salut! Alors, bon.
Oh non, mais cette... Oh, mais c'est cet échec! Ah, par contre, on va juste faire gaffe quand même. À poser vraiment suffisamment d'éclairage. Mais les nouveaux bruits de Minecraft, ils font trop classe aussi là. Il y a beaucoup de chauves-souris. What? Il a accéléré! Alors, bon, l'accélération, c'est peut-être parce que je suis sur un serveur. Mais quand même. Oui, du coup, je vais passer par un serveur, comme ça, je peux quand même jouer sur mon ordinateur portable et fixe en parallèle. Et puis, de toute façon, peut-être que plus tard, il y aura des gens qui vont venir sur le serveur. Bon, quoi qu'il en soit, quand qu'il en soit, quand qu'il en soit, je me rends compte que je parle beaucoup et que je ne fais pas grand-chose. Donc, je vais aller chercher de la miam-miam parce que bah on a faim, tout simplement. Et on a ce qu'il faut pour se nourrir. Voilà, nickel, comme ça, hop, je pose ça là. Et on est reparti de façon un peu plus sereine. Bon, et cette fois, on va faire une vraie étape mine. On va vraiment aller miner parce que là, ça devient catastrophique le temps qu'on perd à faire des bêtises. Bon, sur ce, c'est parti. Oh. Mais je peux pas être si nul que ça. Mais est-ce que je joue en facile pourtant? Ah non. Peut-être que le serveur est passé en difficile. Non, je sais pas. Pourquoi je suis si nul? Ah mais j'ai pas d'armure. Oh là là, mais quel noob. Ok, bon. Alors du coup, vu quand même le truc c'est de se tout faire. Enfin, pardon, de faire tous les achievements. Vu que l'objectif est de faire des achievements, on va faire donc en direct devant vos yeux ébahis une armure en fer. Waouh! Et voilà. Un progrès en plus à ajouter à la liste. Et après, on aura tout ça encore. Mais d'abord, on va faire ceux-là, ceux de Minecraft, et après, on fera agriculture et aventure. Mais du coup, il va falloir du coup nous faire un saut de lave. Donc, déjà, on va se faire des armures. Parce que, comme vous avez pu voir, j'ai galéré jusqu'à venir où j'en suis. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me stresse les souris dans Minecraft. Les chauves-souris, pardon. Tiens, c'est marrant ça, les souris. Elles te bouffent elles te bouffent le bois. Le problème, c'est qu'en fait, je tourne en rond depuis tout à l'heure que je fais l'épisode parce que j'ai pas toujours pas assez de bois. Je vais vraiment faire une vraie ellipse. Une vraie de vraie, encore. bon, allez, grosse ellipse. Le temps de récupérer du bois. Ok, donc cette fois j'ai enfin une confirmation. Maintenant, on peut récupérer des bâtons directement depuis les arbres. Ce qui est quand même assez cool à savoir. Parce que là, ça me fait quand même pas mal de bâtons. Et non, non, c'est assez fréquent. Autant que les pommes, je dirais, autant que même que les saplings. Hein. Regardez là, j'ai encore des bâtons. Non, c'est vraiment pas mal. Hop, trois bâtons, voilà, sur un arbre. Non, en vrai, c'est cool comme addition, parce qu'au moins. On aura plus, c'est plus rapide du coup pour faire ce, je pense, notamment les, comment ça s'appelle, les UHC. Parce que ça récupère directement le bâton, pas besoin de crafter. Enfin, c'est juste bête, mais des petits trucs comme ça qui sont plus sympas. Bon, je retourne à mon minage. Et bah enfin, on a trouvé notre premier diamant. Et pourtant, je suis pas allé très loin. Mais enfin, notre premier vrai diamant. Oui, bon, on va le miner, de toute façon, on va en avoir besoin. Et en plus, on a pas mal. Et regardez-moi ce bon. Nice. Allez, on continue ça. Et, attendez, je viens de réaliser un truc. Si on met le bâton comme ça, quand on appuie sur l'échappe, normalement, le bâton il se drop, non? Parce que là, on dirait que c'est plus lui qui a regardé, c'est mis directement sur la première place. C'est bien ça. Bonne nouveauté. Je sais pas si c'est nouveau. Mais en tout cas, c'est cool. Ok. Bon. Je pense qu'on a déjà pas mal de ressources. On va aller finir cet épisode du coup par les deux achievements qui nous restaient de faire. C'est-à-dire
se fabriquer un seau de lave, former et miner un bloc d'obsidienne et le bouclier. Enfin, faut faire une flèche avec. Donc, déjà, on va commencer par faire le seau et le. Alors, déjà, on va se faire les trois trucs qui nous manquent pour finir correctement cet épisode. Tout d'abord, on va se faire une pioche en diamant. Voilà, comme ça, on a ce qu'il faut. Ensuite, on va se faire le bouclier. Alors, évidemment, je ne sais absolument pas comment on fait ça, moi. Mais maintenant, on a ça qui va nous aider. Ah, il est là. Hop, le bouclier. Et ben, go. Fais-moi ça. Et ensuite, il va nous falloir donc un seau. Voilà. Alors. Bon, on peut jeter ça en avant. Le bouclier, du coup, il va falloir qu'on part un coup avec. Comment ça fonctionne déjà? Ok, comme ça. Ok, bon. Et on va faire les trois achievements très rapidement, alors. Donc, on a paré une flèche, donc c'est-à-dire qu'il va, oui, il va falloir qu'on trouve un petit squelette très rapidement. Donc, oui, mais c'est pas embêté, hein, je vais creuser tout droit. Donc, je sais pas si vous connaissez la technique, il suffit de courir et de sauter pour aller encore plus vite. Voilà. Hop. Alors, par contre, je peux aussi me. Bah, si, en fait, c'est fait pour. alors, par contre, je suis pas ultra confiant. What the fuck? C'est assez drôle, Minecraft. Ok, le seul truc qui me faisait peur est parti. Alors, déjà. Hop, on va utiliser notre seau. On va le mettre ici. J'ai pas envie de reprendre de la lave. Et ensuite, on va mettre un. Bon, on va le mettre là. Comme ça. Voilà. Ensuite, maintenant, on va miner donc le bloc d'obsidienne. Ah non, faut qu'on fasse un seau de lave. Hop. Seau de lave. Voilà. On va le mettre là. Donc, un achievement de fait. Faut dire que je mette une petite musique quand je fais un achievement. Genre. Voilà, c'est ce que je craignais. Donc, hop, hop. Hop. Voilà, comme ça, on a tout ce qui. Tu peux récupérer l'eau, s'il te plaît, merci. On va avoir tout ce qu'il faut là, si on mine ceci. Attendez. Normalement. Hein. Ah, ouais. Oh là là, j'ai failli faire une grossière erreur. J'ai failli faire quelque chose de très très dommage. Voilà. Là, c'est sûr. Il est isolé. On peut le miner. Donc on va miner ce bloc d'obsidienne. Et après, il va nous suffire de trouver un dernier squelette. Pour finir cette mission. De la plus haute importance. Et forcément, on peut récupérer. On va acheter ça. Voilà. Ice Bucket Challenge. Fait. Et du coup, j'avais trouvé un squelette. Décidément, c'est quand on a besoin qu'on n'en aura pas. Bon, on va remonter à la grotte en haut. Là. Toi. Il est peut-être... Ok, vas-y. Yes! C'est bon, on a fait l'achievement du jour. On va se coucher et on fait la fin de la vidéo. Pardon, monsieur. Voilà, merci. Yes! Bon, regardez-moi ça, on a fait 4 achievements aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc, c'est la fin de cet épisode 2 du LPZ, le retour, qui a pris beaucoup de temps, je suis désolé, mais maintenant ça va venir peut-être un peu plus rapide, je l'espère. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'est Zidion, ciao tout le monde!